Donc, de retour parmi vous avec les métazoaires, cette fois-ci triploblastiques, à Selemat. Donc, il s'agit bien des platelminthes. Ici, quelques photos de platelminthes. Ces platelminthes peuvent être soit libres, soit parasites, mais la forme parasite est très répandue. Ainsi, les platelminthes sont des vers plats. D'accord? Ce sont des métazoaires triploblastiques. À Selomat, ils ne présentent pas de selome. Ce sont des vers non métamérisés. Ils présentent une symétrie bilatérale. Ils possèdent certains organes spécialisés. Je dis bien certains organes spécialisés qu'on va voir après. La forme parasite est très répandue, alors que la forme libre est aquatique ou vit dans un milieu terrestre humide. Les platelminthes ne présentent pas de vrai appareil circulatoire, pas de sang. La circulation des éléments nutritifs est assurée par un liquide présent dans l'espace du parenchyme qu'on appelle hémolymphe. L'appareil respiratoire est absent. Les échanges respiratoires se font par simple diffusion à travers le tégument chez les formes libres, quand aux formes parasites, elles sont anaérobies. Anaérobie, c'est-à-dire ils peuvent vivre sans oxygène. L'appareil digestif peut être incomplet sans anus chez les formes libres ou absent chez les formes parasites qui se nourrissent par osmose. Alors, un tube digestif complet, normalement, c'est comme un tube qui présente une bouche et se termine par l'anus. Alors qu'un tube digestif incomplet, c'est-à-dire qu'il présente juste la bouche qui joue le rôle de bouche et d'anus. D'accord? Maintenant, concernant la classification, nous avons par ailleurs six classes de platelminthes, mais les plus étudiées, ce sont les tubulariés, les trématodes et les cestodes qu'on va voir dans ce chapitre. À noter que les tubulariés sont libres, alors que les trématodes et les cestodes sont parasites. On commence alors par la première classe, c'est la classe des tubulariés. Ce sont par ailleurs des vers marins libres ou du sac qui colle. Donc, ils peuvent être marins ou bien du sac qui colle, du sac qui colle que vous connaissez déjà. Alors, ils ont un corps aplati et non segmenté. Ils sont carnivores mégalophages. Mégalophages, ça veut dire que la proie est grande. Les tubulariés les plus communs, sont les planaires, que vous voyez ici en photo. D'accord? Évidemment, il y a d'autres tubulariés. À propos de l'anatomie des tubulariés, le corps des tubulariés est recouvert par un épithélium simple et cubique, cilié, vous voyez ici les cils, sous lequel se trouve une membrane basale et des couches musculaires, ainsi que de nombreuses cellules glandulaires que vous voyez par là. D'accord? Concernant l'appareil digestif, la bouche est ventrale qui sert à l'ingestion et l'élimination des déchets. Ici, c'est la face ventrale du tubulariés. On trouve la bouche. À noter que la bouche, je répète, joue le rôle de bouche et d'anus. La bouche est suivie d'un pharynx musculeux dévaginable qui sert à saisir les aliments. D'accord? Le pharynx sort de sa place au moment de la nutrition pour pomper bien sûr la nourriture. C'est la raison pour laquelle le pharynx n'est pas à l'intérieur du corps, mais plutôt à l'extérieur. D'accord? Le pharynx s'ouvre directement dans l'intestin, mais normalement, le pharynx s'ouvre sur l'estomac, alors que chez les platelminthes, il n'y a pas d'estomac. Chaque cellule du tube intestinal est autonome et capture individuellement les particules alimentaires par phagocytose.
À noter que malgré que les platelminthes sont triploblastiques, la digestion est intracellulaire. Alors, la morphologie de l'intestin est à la base de la systématique de cette classe. D'accord? Le deuxième appareil, c'est l'appareil excréteur. Qu'est-ce que ça veut dire excréteur? C'est l'équivalent pour nous du système rénal qui nous permet d'éliminer les déchets et les toxines de notre corps. Mais nous, on est des triploblastiques évolués, d'accord? Ici, il s'agit du premier embranchement des triploblastiques. D'accord? Les platelminthes présentent un appareil excréteur constitué d'un réseau de tubules, les protonéphridies répartis en deux canaux longitudinaux. D'accord? Alors, ici, ce sont les protonéphridies. Alors, les protonéphridies absorbent les déchets et les dirigent vers les canaux excréteurs. Ici, si on fait un zoom sur les protonéphridies, vous voyez ici le canal excréteur. Ensuite, les canaux débouchent à l'extérieur par des pores excréteurs qu'on appelle néphridiopores. D'accord? Donc, le troisième système, c'est le système nerveux. Les platelminthes présentent par ailleurs un cerveau rudimentaire, un système nerveux très simple, constitué par deux ganglions nerveux réunis par des commissures, par une commissure, d'accord? Maintenant, de ces ganglions partent des cordons nerveux latéraux et longitudinaux et de nombreuses commissures transversales. Et l'ensemble va former une forme d'échelle. D'accord? Je termine par l'appareil reproducteur. Alors, l'appareil sexuel mâle est composé de testicules en bleu, drainés par deux spermiducs. Ces derniers s'élargissent pour former les vésicules séminales. D'accord? Qui confluent pour former l'organe copulateur ou bien pénis. L'appareil sexuel femelle est constitué par deux ovaires en position antérieure, drainés par des oviducts, où l'on trouve de nombreuses glandes vitellogènes, d'accord, qui produisent les cellules nourricières vitellines pour l'œuf. D'accord? Concernant la reproduction, chez les planaires, il y a alternance de reproduction sexuée pendant la saison froide et de multiplication asexuée pendant la saison chaude. Pour la reproduction asexuée, nous avons par ailleurs la sissiparité et la régénération. Alors, la sissiparité, où il y a fission transversale simple de l'individu, qui se sépare en deux moitiés, qui régénère la partie manquante. D'accord? À noter que pour la sissiparité, c'est l'animal qui se coupe en deux. D'accord? Cependant, pour la régénération, si une planaire est coupée en petits morceaux, c'est nous qui coupons le platelminthe. C'est-à-dire, c'est nous les responsables de cette coupure, ce n'est pas l'animal, d'accord? Je récapitule. Si une planaire est coupée en petits morceaux, chacun est capable de former un nouvel individu entier, grâce à quoi? Grâce au néoblaste. Alors, si on regarde de près une coupe histologique des tubulariés, on trouve ici les néoblastes. Les néoblastes qui sont capables de régénérer n'importe quel type de cellules. Ce sont autrement dit des cellules non différenciées, d'accord? Des cellules embryonnaires. Concernant la reproduction sexuée, les tubulariés sont hermaphrodites protérandres.
Pour l'hermaphrodite, vous connaissez déjà la définition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire protérante? On parle de prétérondrie ou bien protandre lorsque les gamètes mâles sont produits avant les gamètes femelles. Donc, l'organisme passe par deux phases, mâle puis femelle. D'accord? Ce qui exclut donc l'autofécondation, bien évidemment. Vous allez me dire que le tubulaire va stocker les spermatozoïdes et attendre l'apparition de l'appareil reproducteur femelle et s'autoféconder. La réponse est non. Même si les spermatozoïdes sont stockés, ils sont loin pour féconder l'ovule. D'accord? La fécondation est généralement croisée. D'accord? Au cours de l'accouplement, les spermatozoïdes de chacun des partenaires sont stockés au niveau du réceptacle séminal où ils resteront jusqu'à la maturité des gamètes femelles. D'accord? Donc, on assiste à un échange de spermatozoïdes entre les partenaires avant bien sûr la sortie des ovules. Quant au cycle de développement des tubulariés, le développement chez les tubulariés est direct. Débute dans l'utérus, après la ponte, vous voyez ici, après la ponte des œufs se développent, vous voyez ici les œufs se développent, on une larve. Cette larve-là, à noter que la larve ressemble à l'adulte, c'est pour cela qu'on dit que le développement du tubularié est direct, d'accord? Ensuite, cette larve devient une jeune planaire et enfin un adulte. À noter que les tubulariés sont ovipares. D'accord? Les œufs présentent par ailleurs des pédoncules fixants. Vous voyez ici les pédoncules fixants des œufs. On passe maintenant à la deuxième classe, c'est la classe des trématodes. Cette classe est très connue par les agriculteurs. Pourquoi? Parce que ces parasites attaquent le mouton, plus exactement le foie du mouton. Ce sont par ailleurs des platelmintes exclusivement parasites, ectoparasites ou endoparasites. Rappelez-vous, un ectoparasite où le parasite est présent à l'extérieur de son hôte, la peau, ou cavité buccale ou bronchiale, on a déjà vu ça au premier chapitre, et un endoparasite où le parasite est présent dans les tissus, le système sanguin ou à l'intérieur d'une cellule. Alors, ces parasites-là, ils sont monoxènes ou hétéroxènes, c'est-à-dire un ou plusieurs hôtes, un hôte intermédiaire et enfin un hôte définitif. On va encore revoir ces termes-là en TD. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un hôte? D'accord? Un hôte est un organisme qui héberge le parasite et nécessaire bien sûr à son cycle de développement. Disons comme un hôtel qui héberge. D'accord? Un parasite monoxène, mono c'est un seul et xéno c'est hôte, c'est-à-dire que le parasite accomplit son cycle en entier chez un même hôte, ou en partie dans le milieu extérieur, d'accord? Alors qu'un parasite hétéroxène, ça veut dire que le cycle évolutif du parasite se déroule chez plusieurs hôtes, d'accord? Et l'hôte définitif, c'est celui qui abrite l'adulte et souvent l'homme ou le bétail en général, c'est un vertébré. Il s'agit là de Fasciola hepatica qu'on va voir aussi dans ce chapitre. Alors, les trématodes présentent par ailleurs un corps non segmenté et généralement foliacé. Foliacé, ça veut dire comme une feuille, très fin, d'accord? Donc, on assiste à une modification typique liée à la vie parasitaire qui sont, premièrement, la disparition de la ciliature de l'épithélium. Donc, le parasite n'a pas besoin de cils pour se déplacer, il va juste glisser. D'accord? On a aussi la régression des organes de sens. Par exemple, on a les aisselles chez les tubulariés qui sont libres.
Ici, il n'y a pas de, par exemple, il n'y a pas d'ocelle, d'accord? Aussi, l'apparition d'organes de fixation, ventouses, crochets, etc. D'accord? Voilà ici la ventouse. Aussi, la tolérance à de faibles concentrations d'oxygène, c'est-à-dire l'adaptation à l'anaérobiose, la nutrition par diffusion directe, d'accord? Et enfin, la cuticule résistante pour supporter un milieu acide de l'hôte. Eh bien, le tégument, il est recouvert d'une cuticule avec des écailles ou des épines. Alors, cette cuticule impose une croissance discontinue par mue. Je m'explique. Étant donné que le tégument est dur au moment de la croissance, c'est-à-dire quand le trématode grandit, il est obligé de jeter son tégument et fabriquer un autre, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la mue. La mue permet par ailleurs au trématode, en changeant périodiquement de tégument, de grandir en taille. C'est ce qu'on appelle la mue de croissance. D'accord? Pour nous, la peau, elle est extensible, donc on n'a pas ce problème. D'accord? Pour l'appareil digestif, il est formé d'une bouche s'ouvrant au centre d'une ventouse buccale et d'un intestin formé de deux cæcums digestifs ramifiés. Alors, et l'appareil excréteur est de type protonéphridien avec de nombreuses fines ramifications qui se rejoignent en deux troncs principaux débouchant dans une vessie qui s'ouvre à l'extérieur par un port excréteur. D'accord? Le système nerveux est proche de celui des tubulariés, avec des ganglions cérébroïdes antérieurs et des cordons nerveux qui s'étendent le long du corps. Concernant l'appareil reproducteur, donc l'appareil reproducteur femelle est constitué d'un ovaire ramifié, de glandes vitellogènes, un ootype, des glandes coquillères, des embryons, un utérus et un port génital femelle. D'accord? Tandis que l'appareil reproducteur mâle comprend deux testicules ramifiés, deux spermiducts ou canal déférent qui aboutissent à la vésicule séminale, d'où part un pénis. L'orifice mâle est situé par ailleurs dans le cloaque génital. D'accord? En fait, en même temps, un trématode présente les deux appareils reproducteurs mâle et femelle, comme ce que vous voyez ici, sachant qu'il est hermaphrodite, je les ai séparés ici juste pour expliquer. D'accord? Concernant la reproduction, bien sûr, à propos de la reproduction sexuée, il n'y a pas d'autofécondation. La fécondation est interne et croisée. Pour le cycle de développement, le cycle de développement de nombreuses formes endoparasites nécessite au moins deux hôtes, un hôte définitif et un hôte intermédiaire, parfois plusieurs. Du coup, Fasciola hepatica, appelée communément la grande douve du foie, c'est un parasite d'Xène dont l'hôte définitif est un mouton ou un bovidé, parfois un homme, et l'hôte intermédiaire est un mollusque gastéropode aquatique appelé la limnée. Concernant le cycle de développement de Fasciola hepatica, la douve adulte vit et se reproduit sexuellement dans les canaux biliaires de l'hôte, définitif ici le mouton,
Les canaux biliaires qui relient la vésicule biliaire au foie, d'accord? Alors, les œufs fécondés commencent leur développement dans l'utérus. Ils sont incorporés dans des cancans de pente contenant des cellules vitelliques, d'accord? Alors, les œufs fécondés sont éliminés avec les selles. Les selles, ce sont les excréments ou bien les bouses d'animaux. Le développement embryonnaire se fait alors au milieu aquatique pour libérer les myracidiums. D'accord? Alors, si les œufs tombent dans un milieu sec, ils meurent. Donc, les œufs, leur faut absolument un milieu aqueux. D'accord? Alors, ce myracidium-là va se développer chez le mollusque Limnéa en sporocyte, puis raidi et enfin cerchaire. Ce cerchaire quitte le mollusque et va nager ensuite pour se fixer sur une plante aquatique et s'enkyste. D'accord? Alors, chez le mouton et via l'herbe, le mouton va manger l'herbe et avec l'herbe, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les kystes appelés métacercaires. D'accord? Les kystes ainsi ingérés sont dissous dans l'intestin et libèrent des douves immatures qui migrent de l'intestin vers les canaux biliaires. D'accord? En quelques semaines, ces jeunes douves deviennent adultes et acquièrent leur maturité sexuelle. Et le cycle recommence. D'accord? Alors, si on observe ce cycle-là, il s'agit bien d'un parasite qui est dixène, où l'hôte définitif, c'est le mouton, et l'hôte intermédiaire, c'est bien sûr le mollusque limné. Vous êtes d'accord? Alors, pour la reproduction asexuée, alors, la reproduction asexuée, c'est une multiplication des formes larvaires, s'observe notamment chez les endoparasites, dont certaines larves possèdent des cellules germinales susceptibles de se diviser et de se différencier pour donner naissance à plusieurs larves et de formes nouvelles. D'accord? Exemple, au niveau de l'hôte intermédiaire qui est le mollusque, la larve sporocyte de Fasciola hepatica qui donne naissance à plusieurs larves raidies et puis cerchaires, d'accord? À noter que c'est la larve myracidium, cette larve myracidium qui va subir une reproduction asexuée, d'accord? Vous voyez ici, une seule larve myracidium va donner 4 sporocytes, puis 4 raidies, et puis 4 cerchaires qui quittent après le mollusque par la nage. D'accord? Allons voir de plus près le cycle de développement de Fasciola hepatica. Derrière ce magnifique paysage de Camargue se déroule une étrange histoire. Le parasite Fasciola hepatica, appelé communément la grande douve du foie, se reproduit dans deux hôtes différents. Son hôte intermédiaire est un escargot d'eau douce et son hôte définitif un vertébré. Allons voir de plus près ce qui se passe au fond de ce canal pendant que la vache broute tranquillement. Oh, mais qu'est-ce qui bouge? Ce sont des œufs de douve non embryonnés. Le contact avec l'eau va leur permettre de s'embryonner. Ils vont alors se transformer en larves ciliées appelées myracidiums. Les myracidiums cherchent les traces des escargots. Ils passent à l'attaque. L'un des escargots est infecté. L'autre a réussi à s'enfuir. Laissons un peu de temps s'écouler et retrouvons notre escargot. Il a l'air énorme, mais que se passe-t-il à l'intérieur? Ah, la douve est en train d'accomplir sa reproduction asexuée. Le myracidium s'est transformé en sporocyte, qui ensuite a donné 2 raidies. Chaque raidie va donner plusieurs dizaines de cerchaires. Je crois bien que l'escargot ne se sent pas bien. Les cerchaires sont en train de sortir de lui. Ils vont ensuite chercher une plante aquatique pour aller s'enkyster dessus. Une fois sur les plantes aquatiques, il faut encore qu'un hôte définitif, c'est-à-dire un vertébré, comme une vache, un sanglier, un ragondin ou encore l'homme, vienne manger les plantes contaminées. Que vont faire les métacercaires une fois à l'intérieur de la vache?
Allons voir ça de plus près. Les métacerchères vont se désenquister dans le duodénum, puis vont migrer vers les canaux biliaires, où ils vont prendre leur forme adulte. La multiplication sexuelle va alors avoir lieu. Plein d'œufs non embryonnés vont alors être produits, puis vont être relâchés dans l'environnement via les bouses. Et le cycle va recommencer. On passe maintenant à la troisième et dernière classe des platelmintes, c'est la classe des cestodes. Ce sont des endoparasites du tube digestif des vertébrés. Ils n'ont pas d'appareil digestif. La nutrition se fait par osmose. C'est normal puisqu'ils sont parasites. On a ici l'exemple du ténia. Alors, les cestodes présentent un corps plat, segmenté et subdivisé en trois parties. On dit aussi que les cestodes présentent un corps qui est rubané, comme un ruban. D'accord? Alors, pour les trois parties, nous avons le scolex, ici, qui porte le dispositif de fixation, ventouse et ou crochet en couronne. D'accord? Après, nous avons le cou. C'est à ce niveau que se forment les segments composant le corps de l'animal. Et nous avons le strobile, il occupe la 9e à 10e segment du corps. Il est formé d'une succession de segments. Chaque segment-là, on l'appelle proglottis. Concernant le tégument est formé d'une cuticule portant des épines, suivi de couches musculaires et des cellules épidermiques. La cuticule protège par ailleurs le parasite contre le suc digestif de l'hôte. D'accord? Du coup, l'appareil excréteur est constitué par des protonéphridies, qu'on voit ici. Ces protonéphridies qui débouchent dans des canalicules qui se joignent en formant quatre canaux excréteurs, deux ventraux et deux dorsaux. Alors, les canaux s'ouvrent à l'extrémité postérieure du corps par un port excréteur. D'accord? Alors, le système nerveux. Le système nerveux chez les cestodes est localisé au niveau du scolex, présente deux ganglions cérébroïdes, et six cordons nerveux s'étendant sur toute la longueur du ténia. Nous avons deux cordons dorsaux qu'on voit ici en pointillé et deux latéraux de chaque côté. D'accord? Alors, il n'y a pas d'organes sensoriels différenciés, mais de nombreuses terminaisons nerveuses aboutissant à la cuticule. D'accord? Concernant l'appareil reproducteur, alors, l'appareil reproducteur mâle comprend les testicules, les spermiducts, les vésicules séminales, la poche des cires et le port génital. D'accord? L'appareil femelle comprend par ailleurs le vagin, l'ootype. C'est le site de fécondation, l'ovaire, l'utérus et les glandes coquillères. D'accord? À noter que chaque proglottis présente les deux appareils reproducteurs, mâle et femelle. Je les ai séparés ici juste pour expliquer. D'accord? Alors, l'appareil reproducteur mâle apparaît en premier et se développe au fur et à mesure que le proglottis s'éloigne du scolex, puis régresse. Alors, vous voyez ici vers le scolex, nous avons le jeune proglottis, après le proglottis moyen qui est mâle. D'accord? Et ensuite, l'appareil reproducteur femelle se développe
au fur et à mesure. Autrement dit, c'est l'appareil reproducteur mâle qui se développe en premier, va produire les spermatozoïdes, les stocker, puis il régresse, d'accord? Et après, c'est l'appareil reproducteur femelle qui se développe vers l'extrémité. Alors, à noter ici vers l'extrémité du strobile, nous avons bien sûr au niveau des proglottis l'appareil reproducteur femelle qui est développé, vous êtes d'accord? Et après fécondation, ces proglottis, là, au niveau de ces proglottis, l'utérus est bourré d'œufs qui occupent tout l'espace de l'utérus. Ce proglottis est appelé à ce moment-là cucurbitin. D'accord? À propos de la reproduction et du cycle de développement des estodes, les estodes sont hermaphrodites protandres. La fécondation croisée se fait entre un proglottis mâle antérieur et un proglottis femelle postérieur, c'est-à-dire vers l'extrémité. Chez certains cestodes, on note l'existence de l'autofécondation à l'intérieur des mêmes proglottis. Les spermatozoïdes s'accumulent par ailleurs dans l'atrium génital jusqu'à ce que l'appareil reproducteur femelle soit mature. Alors, les cucurbitins, vous voyez ici, se détachent du strobile et sont évacués avec les fesses de l'hôte. Ils libèrent des cancans de ponte qui donnent des larves. Alors, le développement embryonnaire se poursuit lors du passage de la larve d'un hôte à l'hôte. C'est-à-dire le passage d'un hôte à l'autre. D'accord? Alors, ce que vous voyez ici à droite en photo, c'est un cucurbitin où on voit ici les œufs. Concernant le cycle de développement du ténia, les cucurbitins, c'est-à-dire, je répète, les proglottis bourrés d'œufs, d'accord, se détachent du strobile et sont évacués par les fesses de l'hôte, d'accord, et libèrent des cocons de ponte appelés oncosphères qui contiennent un embryon hexacante. Hexa est égal à 6 avec 6 crochets entourés d'une coque. Alors, si un oncosphère est ingéré par un bovidé, sa coque est dissoute dans les sucs gastriques et libère une larve hexacante. Cette larve-là perfore avec ses crochets la muqueuse intestinale, passe dans les vaisseaux sanguins et atteint le tissu musculaire de l'hôte où elle grandit et se métamorphose en cysticerque. D'accord? Alors, si le cysticerque est ingéré par l'homme dans la viande bovine insuffisamment cuite, alors le scolex se dévagine, d'accord, et se fixe dans la muqueuse intestinale. Alors, se fixe grâce à quoi? Grâce aux ventouses, bien sûr, et des fois, les crochets, d'accord? Après, la vésicule se résorbe et les proglottis de l'adulte sont dédifié par strobilisation de la partie arrière du scolex, d'accord? Et le cycle recommence. Alors, si on regarde de plus près ce cycle, on voit bien qu'il est Dixène. Vous voyez bien que l'hôte définitif, c'est l'homme, et l'hôte intermédiaire, c'est le bœuf, d'accord? Alors, un mot avant de conclure, le ténia s'attaque surtout via les bovidés, c'est-à-dire les bœufs, les bœufs, les vaches, les taureaux et les veaux, d'accord? Alors, il faut éviter de manger la viande bovine crue ou peu cuite contenant des cysticerques infectantes pour l'homme. D'ailleurs, c'est de notre culture de bien cuire la viande. D'accord? Alors, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.